Bonjour à tous, ailleurs ça et bas. Alors, en ce début d'année 2011, me revoilà pour un petit random game, après le fameux périple de Doom 2. Donc, bonne année et meilleurs vœux, hein, puisque je l'ai pas encore dit. Alors, voilà, pour reprendre, là j'ai envie de refaire un peu des jeux d'arcade, parce que le périple de Doom 2 m'a... Bon, ça m'avait un peu crevé, et puis bon, à l'origine, je fais plutôt des jeux d'arcade. Donc voilà, alors pour commencer un peu doucement, je fais un petit random game, avec Continental Circus fait par Taito et sorti en 87. Alors ce jeu je le connais pas du tout, hein. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer et enfin même le titre ça me disait rien. Bon, ça a l'air d'être un jeu de Formule 1, rien de plus, enfin classique quoi. Donc, je vais lancer. Ah non, c'est quand on met un crédit qu'il y a la petite musique. Je crois que c'est la musique du jeu. Alors presse accélérateur. Donc c'est un peu comme chez HQ, en bas à droite on a une espèce de levier de vitesse. D'accord, c'est faut appuyer sur rond pour passer les vitesses. Donc faut laisser appuyer pour se mettre en vitesse basse et relâcher pour passer à la vitesse supérieure. Donc c'est parti, apparemment c'est au Brésil là. Ouais, non mais ça a l'air d'être un... Attends, je vais mettre un... C'est quoi pour accélérer par contre? Ah c'est carré, ouh c'est pas pratique là. C'est pas pratique parce que alors pour se mettre... En vitesse basse, il faut laisser appuyer sur rond et appuyer sur l'accélérateur. Et vu que carré et rond, vu que je joue avec une manette PS3, c'est... Ils sont assez écartés, là, les boutons. Voilà, là, c'est bon. Donc, je dirige après avec le stick analogique. Donc, carré accéléré. Putain! Voilà, c'est... Ça va vite, hein. Ah, quand ça tourne, ça tourne pas... Là, mais attends, mais la voiture, elle est morte, là. Par contre, je sais pas comment on freine. Ah, ça doit être X. Putain, c'est pas facile, faut que je prenne une position assez bizarre pour... Merde. Oh bah... Rien que ça. Ah, c'est super dangereux, il y a de la nitro dans ma Formule 1 ou quoi? Allez hop, on reprend. Putain, mais ça tourne. Comment on dérape? Putain, ça fait quoi si je vais... Non, oula, j'ai failli faire une connerie. Alors, au niveau de l'interface, on peut voir en haut à gauche sans doute le high score pour ce circuit. Peut-être, putain, il y en a qui explosent. Le score, notre score en dessous, la vitesse, putain, je suis à près de 400 km/h. Wouah! Excellent! Ah, c'est assez bourrin, quoi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il doit être mort, je pense. C'est peut-être lui que j'ai bousculé, je sais pas. Ouf! Il y avait le checkpoint, j'avais plus de temps. Donc on voit notre vitesse. Bon, 300 et... Enfin, plus de 300, on a quand même pas l'impression qu'on va à cette vitesse, hein. Par rapport à d'autres jeux comme, par exemple, Need for Speed Hot Pursuit, quand on va à 300, à plus de 300 à l'heure, là, on le sent bien, quoi. On voit plus rien, c'est super tendu. Enfin bon, c'est marrant de faire exagérer aussi. Alors, le temps restant pour finir la course en haut. Donc là, je vais sans doute perdre. Moi qui ai un checkpoint, là, oui. Oh putain! Ah c'est bon. J'ai eu du cul. Alors mon rang, alors je suis 74e et fallait que, pour que je me qualifie être 80. À la place 80, ok. Donc course numéro 2 en Amérique. Ah j'ai qu'un seul pit. Alors je sais pas ce que c'est pit. Ah bah si, c'est ce qui rajoute le temps. Putain, il est super loin, j'ai que 30 secondes. Bon, je vais essayer d'assurer. Ouais, bon, c'est un jeu de bagnole. Ah merde. D'accord, faut pas accélérer dès le début, c'est un peu comme Mario Kart on dirait. Non, il est sympa comme jeu, bon c'est un petit jeu 87. Bon, Outrun était sorti déjà, mais il s'en sort plutôt pas mal. Oh putain, comment ça tourne? Oh, tourne. Comment tu peux exploser pour ça? Ah, faut être 60e là, putain, d'accord. Au fur et à mesure, ça va... Oula, je patine là. Putain, comment ça tourne? Attends, je vais aller là, on va voir ce que ça fait quand je vais là. Rien, d'accord, ça sert à rien. C'est juste... je sais pas pourquoi il y a ça. Putain, je vais laisser s'entretuer là, les mecs. Putain, là je vais vite, hein. J'ai presque 400. Putain, là je freine un peu. Putain, je me suis explosé la voiture. Alors là, c'est à dire qu'il faudrait que j'aille au pit, mais je sais pas où c'est. Je pense que le pit-in, là, c'est donc le... espèce de station pour réparer sa voiture. Ça, faut aller là, non? Ah, c'est ça, voilà. Sauf que là, est-ce que je perds du temps? Non, ça continue. Putain, enfin presque. J'étais quand même à l'arrêt. Putain, là, je suis obligé de freiner.
Ah, je suis 59ème, c'est-à-dire, je pense que si on est au-dessus de 60, on peut pas finir la course. Je veux dire, le temps sera à zéro avant qu'on atteigne la fin. Ça doit être la limite, putain. Quand ça tourne beaucoup, notre voiture elle dérape, faut faire gaffe quoi. Mais ça devrait être bon là, yes, tranquille. Oh non, c'est sympa. Alors juste là, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour parler là de Doom 2. Donc je voulais remercier aussi Sundar et je vous conseille d'aller voir ses vidéos parce qu'il est en train de faire justement aussi un walkthrough sur Doom 3. Donc j'ai commencé à le regarder mais je pense que bon, il a l'air de se débrouiller pour l'instant. Il dit qu'il joue mal mais bon, je sais pas si je ferais mieux. Hein. Quand on connaît pas le jeu en général, c'est pas facile de bien jouer quoi. Donc bah je vais le suivre hein, franchement, allez le voir là, c'est... Si vous avez aimé la vidéo de Doom 2, je pense que vous aimerez forcément suite Doom 3, en plus il le présente plutôt bien. Donc voilà. Ah putain, je voulais profiter de ça, de la vidéo pour dire ça. Putain, j'ai eu du cul là, parce que comment... Il y a une espèce d'angle droit là, comme virage. Oh putain. J'ai roulé en crabe là, un peu. Ah oh, putain, merde, je me suis explosé la bagnole. Moi l'autre, je l'ai tué par contre, je pense. Ok, je suis 48ème. Putain! Non, non, tu vas pas exploser pour ça. Oh, abusé. Ah, ça pardonne pas. Bon, là, par contre, merde, j'ai pas vu dans quel pays on est, là. Je sais pas, bon, ça va pas être la France, là, quand même. Enfin, avec les châteaux, tout ça, j'en sais rien. Putain, merde, il me reste 10 secondes. Ah, je peux être limite. Je peux finir, je suis 49ème. Je vais essayer de les dépasser, quand même, ceux-là. C'est pas facile d'anticiper, là. Ah, merde, je suis à zéro. Ah, c'est bon. C'est toujours la même meuf qui agite le drapeau. Et là, je suis à Monaco. Ok, là, ça va être peut-être un peu plus dur. Putain, ouais, ça tourne là. Ouh, là-bas, il y a une espèce d'épingle à cheveux. Bon, je continue hein, jusqu'à ce que je crève. Enfin, que j'ai plus de crédit. Ou alors, je ferai peut-être une partie encore après. Merde! Il doit y avoir moyen de faire un super démarrage. Faites 40ème là. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo je ferai surtout des longs plays, enfin des jeux d'arcade. Faudrait que je vois aussi pour faire des. Ce que je pourrais faire pour des jeux consoles, en PS3 ou Xbox. Mais là, pour l'instant, je me calmer un peu. Putain, fichier. Ah, ça pardonne pas hein, quand on conne quelqu'un, même si c'est tout petit peu, on explose. Et puis là, on perd au moins, je sais pas. Là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces étincelles là? Ah non, c'est de la coplaning. Ah, ça doit être ça. Putain, ça patine là. Ouah, la vache! Putain, puis ça tourne. Alors, ce qui est un peu dommage là dans ce jeu, c'est qu'on voit pas la carte. On n'a pas la carte de la route quand on conduit. Ça pourrait être pratique pour savoir si ça tourne d'un coup, juste après ou pas quoi. Parce que là, c'est un peu au hasard. Hein. Ah, vite, vite, parce que là, j'ai plus de roues apparemment. Voilà, très bien. Allez les gars, dépêchez-vous. C'est assez rapide quand même les mecs, hein, mais je crois qu'en général, les gars sont assez rapides pour changer les roues ou quoi que ce soit. Enfin, les pneus plutôt. Putain, alors là, oula, je me suis pris un poteau en pleine gueule, hein, et j'ai pas explosé. J'ai eu de la chance. Alors, droite-gauche, là, j'ai cru voir. Putain, mais ça tourne trop. Alors je sais pas comment ils jouaient à l'époque hein, ce jeu, s'il y avait une bande d'arcade avec le stand d'une Formule 1. Putain, j'étais en boule de feu. Excellent. Merde, fallait être 40ème. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'en refais une dernière quand même, parce que je le trouve sympa. Je sais pas combien il y a de courses en tout. Et hop, c'est parti. Alors je disais aussi, parce que bon, finalement le périple de Doom 2, il a plutôt bien marché. Enfin je pensais qu'il y aurait maximum 30 vues quoi, je sais pas, je pensais pas que ça intéresserait autant de monde. Enfin, autant, voilà quoi, j'ai vu que ça marchait bien. Donc je suis plutôt content, hein. Puis je remercie tout le monde, ceux qui ont mis des commentaires, qui ont suivi. Ça fait plaisir. Attendez, parce que je me concentre en même temps, c'est quand même un peu plus dur là. Oh non, mais je l'ai frôlé là. Putain, ça mérite pas que j'explose quoi.
Bon, bah je crois que j'ai encore perdu cette course, tant pis. Et donc je disais que je ferai sans doute plus de périples sur des FPS. Mais je pense que... Mais de toute façon, ce sera pas maintenant, ça c'est clair. Parce qu'on m'a quand même demandé d'essayer quelques autres FPS old school, hein, bien sûr. Genre Blood ou... je sais pas d'autres, je sais pas, bon, je pense que j'en ferai un, mais je sais pas si je ferai un périple. Hein. C'est quand même usant. Non, j'ai pas besoin du pit. Donc je vais voir. Et pourquoi pas, quoi. Peut-être des présentations de vieux FPS, ça, je le ferai peut-être. Putain, bon, je crois que c'est mort là pour cette course. Et c'est balèze là. Merde, je suis 40ème en plus. Oh, je suis dégueu. Allez, dépêche, vite! Putain, y'a personne qui m'a doublé, là? Tout le monde se plante, ou quoi? Putain, alors là... Va falloir booster! Putain, mais je suis obligé de freiner, quoi, ça tourne trop, là, dans ce... Ah, oh, putain, c'est l'horreur. Ah, oh, putain, faudrait qu'il y ait la fin, là. Oh non, je suis deg, je me suis fait avoir par le temps. Bon, bah, je sais pas, j'ai envie de tenter, quand même. J'ai envie de le finir. J'étais où, là? Oh, j'étais à l'arrivée, quasiment. Bon, allez, un dernier. Bon, puis si ça vous saoule, vous pouvez arrêter la vidéo. Alors, je vais essayer de faire un super démarrage, là. Alors, je sais pas, ouais. Si c'est comme Mario Kart, c'est au bout du deuxième. Maintenant. Ouais, bon, bah, c'est pas ça. Tant pis, c'est pas grave. Merde, attends, oula. Je suis gouré dans les touches. On va essayer de bien jouer, là. Putain, l'enfoiré, quoi! Il se fout devant moi! Ça joue à rien, là, ça explose de partout. Putain, je suis obligé de freiner. Non, non! Oh, mais putain! Et ça fait 3 fois que je me fais avoir comme ça. Allez, cette fois, on va assurer. Putain, il faut que j'arrête, là, ces erreurs, là. 3 fois que je fais la même erreur. Putain, comment je dois freiner? Il y a un endroit où je vais me prendre un pilier. C'est comme les courses précédentes. Ça, c'est pas mal fait parce que j'ai l'impression que le son change quand on passe sous un tunnel. Bah, ouais, c'est juste un petit détail comme ça, mais je trouve ça sympa. Putain, mais je casse... Ah, d'accord. C'est bizarre parce que j'ai... Oh putain, quel con l'autre! Là, je suis obligé d'aller au pit, mais faut pas que je me vautre, ce serait bien. Là, on va freiner, je pense, parce que c'est là, voilà. C'est ici que je m'étais pris un pilier. Donc là, j'ai bien fait gaffe. Oh putain, je suis obligé d'avancer à 2 à l'heure, moi. C'est pas possible. Putain, je suis en flamme. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh putain, j'ai pas le passé. J'ai envie de le passer, ce circuit, quand même. Allez, tant pis, je recommence. J'ai envie de passer ce circuit, quoi. C'est pas possible. Putain, j'ai quand même réussi tout à l'heure à le finir, mais en étant... Putain, c'est de pire en pire, en plus. J'étais 42e, mais j'avais fini au moins le parcours. Bon, allez. Dernière fois. Et si j'y arrive pas, tant pis. Je vais essayer de démarrer au moment où c'est vert. Hein, parce que là... Allez. Mais non, bon, il n'y a pas de super départ. Hein. J'ai pas l'impression. Putain, je vais me le prendre. Ah putain, voilà, je le sentais, quoi. Je le sentais que j'allais me le prendre, lui. Putain, ça commence bien, je vais déjà être en boule de feu. Ça peut pas. Non, ça peut pas refroidir la pluie là. Putain, c'est limite à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait là? Et oh, pourquoi je. Oh putain, c'est quoi ce bleu? C'est quoi ce. Mais attends, je patine trop. Putain, mais à chaque partie, c'est de pire en pire, j'ai l'impression, quoi. Tout à l'heure, j'ai pas fait de tête à queue comme ça. Attention là. Putain, je suis obligé de rouler à 2 à l'heure. Il est où le pit? Putain, là j'en ai besoin du pit. Hein. Parce que là, on peut voir le symbole à droite. Que il faut que je change donc mes pneus. Et qu'en plus, je dois refroidir. Parce que là, je suis en flamme. Hop, on va le faire. Putain, alors ça fait du bien. Bon, je suis content là. Je me suis pas planté pour l'instant. Je suis pas explosé. Putain, qu'est-ce que je patine, la vache!
tout cas, je vous le conseille d'essayer parce que c'est assez arcade. Je me suis cogné contre quoi là? J'ai pas compris là. J'ai cogné quoi là? J'ai un caillou? Qu'est-ce que... Attends, mais j'ai pas vu le poteau là. Enfin, j'étais vachement loin du bord. J'ai l'impression. Putain, j'ai encore explosé. J'ai plus que 10 secondes, faut pas que j'explose. Je peux être en boule de feu. Ah, super. Bon, voilà. Au moins, j'aurai fini cette course. Je vais faire la suivante et si je perds, je m'arrêterai là. En Allemagne. Bon, ça a l'air simple, à part la petite épingle à cheveux, là, vers la fin. Enfin, non, j'ai pas vu. Merde, j'ai pas vu dans quelle direction on était. Si j'appuie plein de fois sur carré, ça fait quoi, là? On va voir. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi le démarrage turbo. Merde, par contre, j'ai oublié de relâcher le levier de vitesse. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé plein de fois sur l'accélérateur, comme un malade. Et au bout d'un moment, je sais pas, ça s'est débouché, on dirait. Donc on peut, hein. On peut faire des démarrages turbo. Wouah, la vache. Ok, c'est pas mal, là. Je sais pas comment je m'en suis sorti, mais c'est cool. Petite montée, là, hop. Ah, l'excellent comme jeu, hein. Alors je me renseignerai peut-être après pour savoir si ça a été porté sur différents supports. Parce que franchement, j'en ai pas entendu parler. Faut dire, avec un nom comme Continental Circus, t'as pas l'impression que c'est un jeu de sport, quoi. Enfin, de Formule 1. Non, oh non, il y avait le pit juste à gauche. Oh, je suis deg. Oh, j'aurais pu bien jouer, là. Bon, bah... Putain, tu perds des secondes, c'est incroyable. J'espère que là, il y a... Pas loin, en tout cas. Je pense qu'au fur et à mesure, on n'a plus le droit de se planter, quoi. Ouais, putain, là, j'ai pris cher. Ouais, non, tant pis. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà, j'ai pu vous présenter, enfin, vous faire découvrir Continental Circus. Donc, au final... Putain, d'accord, j'ai l'épingle à cheveux. Au final, je le trouve assez sympa. Franchement, c'est un bon petit jeu de Formule 1. Alors, je sais pas, c'est bizarre, parce que... Ça me disait rien du tout, quoi. Hop là, en Germanie. Je sais pas ce que c'est, 30. Bon. Voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, et à bientôt. Salut!